Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale puisqu'on n'est pas aux écuries. On est dans une écurie près du Mans. Je vais vous laisser découvrir laquelle c'est et on va aller prendre un cours de saut chez un cavalier pro. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Salut! Ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Jean-Francis Simon, cavalier pro de saut d'obstacle. J'ai 26 ans, je vais sur mes 26 ans en 2022. Je suis cavalier propriétaire et voilà, on fait du concours tous les week-ends avec nos clients. Bon Mathilde, je te présente le petit crack que tu vas monter aujourd'hui. Donc lui, c'est Enoch de Bréhard, donc un lentier de 7 ans. J'ai fait tout son cursus, on va dire, de 4 ans à 7 ans, donc même le débourrage, puisque c'est le premier qui est né à la maison. Et on va voir, du coup, on va essayer de sauter un petit peu avec toi aujourd'hui. Donc par contre, t'es la seule qui va monter dessus depuis son débourrage, hein, à part moi. Donc on verra. J'aurais pu attendre demain. Pour ce soir, mais. Attends. Ça, t'as un licol devant, en principe. Par contre, t'as là sa couverture de près. Tu veux une petite couette ou quoi? Ah oui, elle est attends. Hello, darkness, my old friends. Ça va, j'ai l'air gentil pour l'instant. Ok, j'ai actuellement extrêmement peur. Lui, il a l'air gentil, mais c'est peut-être qu'un air genre... Il est très calme, mais franchement... Franchement, on sait jamais, quoi. Il y a des petites lingettes pour bébé, comme c'est mignon. Attends. Là pas partout, j'enlève toujours la poussière partout. Faut que ça brille. Ah mais moi j'ai pas envie de faire les chaussées courtes. Toi t'es habitué avec tes sangles. J'ai habitué à monter à poney sur un gros poney avec mes jambes en dessous du ventre. Ça change. Bon bah c'est parti les amis. Bon bah on est parti hein. Je vais le marcher un peu au début comme ça. Si. Galop direct. Ya. Yeah. Non, tu sais, moi je les marche beaucoup et après je les trotte, tu sais. Lui, de toute façon, en principe, si tu fais juste ça, il met la tête en bas. Allez, vas-y. Ouais, il répond très vite à la jambe. Alors, moi, tu vois, sur mes chevaux, dans les départs au galop, je leur demande que en jambe intérieure. Fais venir avec ta selle de dressage, sinon.
Et pareil, dans les actions de main, moi je les monte beaucoup sur la reine extérieure. Tu vois, pour avoir des chevaux droits, des chevaux toujours dans le mouvement en avant. Que souvent, on a tendance à les ramener vers l'intérieur avec la main, mais ça les casse dans le galop et dans le mouvement. Voilà, essaie de jouer un tout petit peu dans les doigts, tu arrives à descendre. Vas-y, vas-y, encore. Alors, soit tu vois, tu fais ça juste en pianotant, il va juste céder, on va dire, au niveau de la nuque. Ou soit tu continues un tout petit peu plus fort en étant un tout petit poil plus ferme dans la main et il va te mettre la tête dans le sable. Ah ouais, t'as vu, il est très sensible par contre dans les jambes. C'est que tu recules, tu touches un tout petit peu, il part direct au galop. Vas-y, tu peux demander d'avancer un tout petit peu avec ta jambe intérieure. Et pareil, si tu prends une diagonale, tu peux le laisser faire, il change tout seul de pied. Vas-y, regarde, prends une petite diagonale. Prends une petite diagonale, tu regardes où tu vas, puis tu le laisses faire. Là, tu vois, tu l'as un tout petit peu perturbé, tu as voulu reculer ta jambe. Alors là, toi, on est dans la détente, donc du coup, là, il est un petit peu ouvert. Au moins, il se relâche et puis il se chauffe un peu musculairement. Et après, on va lui demander de se compresser un tout petit peu. C'est des chevaux de CSO, mais tu vois, ils sont un minimum dressés quand même. On fait pas tous du dressage pur, mais on en a besoin pour aller sauter des barres. Voilà, tu peux commencer un tout petit peu, le mettre un petit peu en place, tu vois, voilà, qui commence à bosser, qui commence à travailler un peu. Voilà. Et pareil, tu peux lui demander des petites, demi-voltes renversées, toi de le bouger, faire des petits 8 de chiffres, juste qu'il commence un petit peu à s'arrondir. Allez, tu peux le raccourcir un petit peu encore. Toi, compacte-le un tout petit peu, ralentis-le un tout petit peu de devant. Moi, je leur demande beaucoup d'engager avec la jambe intérieure. Voilà, il commence à être mieux. Ok, essaie de rechanger de main comme ça, sans qu'il change d'attitude. Avec ta jambe intérieure, toi, quand tu veux, hop, engager. Voilà, sans qu'il accélère. Là, tu peux le ralentir un tout petit poil. Voilà. Juste, tu compresses un. Bah, comme tout à l'heure, quand tu l'as fait au trot, pour partir au trot, tu vois, tu compresses un tout petit peu. Là, tu peux le redresser un tout petit peu, toi, dans l'encolure, avec tes mains. Juste à un contact. Et là, tu peux y demander. Alors là, tu vois, il s'est un tout petit peu ouvert et puis il a oublié l'arrière. Après, tu le connais pas non plus. Alors là, tu peux lui demander de continuer dans le galop tout en le redressant. Alors essaye, du coup, comme toi. Moi, comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, je les monte plus sur la reine extérieure. Ok, on fait une fois. Allez. Hop. Ouais, mets-lui un tout petit peu de galop. Voilà, encore. Voilà. Et là, tu le compactes là, entre tes mains. Ok, toi là, il a eu l'intelligence lui-même. T'as vu, toi, tu l'as poussé un tout petit peu sorti de tournant. Et lui, il s'est dit, oula, la foulée, elle va être un petit peu entre deux, je reste à ma place. Ouais, on fait la même chose dans le galop. Sauf redresse-le un tout petit peu. C'est dur de changer de poney à cheval. Si tu gardes dans ton mouvement, il faut juste que tu arrives avec lui à garder ton galop et le compacter un tout petit peu, tu vois, en gardant, comme je te dis, autant de pression en fait entre tes mains que tes jambes. Et une fois que tu l'as compacté, tu vois, il peut pousser de derrière. Là, il te prend des distances un petit peu comme ça parce qu'il s'en fiche, tu vois, sur ces hauteurs-là. C'est pas... On essaie de le faire à gauche. Je vais te mettre le pied dans l'autre sens. En passant derrière le petit auxerre là-bas.
Alors fais gaffe, tu vois, dans le tournant, pareil, après ton auxerre, de pas tourner avec ta main intérieure. Hop, prends le temps de tourner et sauter deux mains. Là, toi, tu as piqué un petit peu fort. Bon, on repart, vas-y. Mets juste ta jambe intérieure. Là, il comprend pas. Hop. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ça y est, on a la chute. Enoch. Ça va? Oui, ça va. Tu as un peu piqué. Là, knock, 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 knock. Ah, il va y aller, écurie. Oh, c'est pas grave. Knock, knock. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Bah oui, t'as pas compris. Hein. Bah oui, ouais, du coup, t'as mis un tout petit peu les deux, du coup, tu vois, ça l'a chatouillé un peu. Mais je vais pas réussir à monter comme ça. Non, mais je te fais la jambe. Tu peux réussir à me porter. Mais si. 1, 2, 3. Allez, passe la jambe. Voilà, compresse-le un tout petit peu. Toi, garde-le un tout petit peu avec toi et entre les jambes. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. C'est pas grave. Attends, on va passer un tout petit peu dans la jambe. Vas-y, reviens une fois. Garde ton galop sorti de tournant. Tu peux le garder avec toi, mais essaye de garder ton mouvement en avant. Voilà, sur les deux mains. Attends, fais-le attendre. Ok. Alors, on fait une volte. T'as vu, ton auxerre, il a un tout petit peu plus de biais vers moi. Voilà. Tourne un peu plus serré de ton vertical. Ok, redresse-le, tu vois. Garde-le entre les jambes. Parfait. Ok. Retravaille maintenant ton galop. Alors, tu vois, on a sauté, on a eu la bord, on a eu le plané, et après, derrière, on retravaille, on reconstruit le cheval. Même si c'est à la maison, toujours penser qu'il y a un autre obstacle derrière. Ok, hoppa, caresse. Après, il est toute distance, donc ça, c'est pas méchant. Quoi? Lui, tu vois. Tu peux prendre toutes les distances, il a tellement de moyens que... Fort, est-ce que tu as calculé ta foulée? Ah non, pas du tout. Pourquoi t'as calculé? Non. Ah, moi, j'ai jamais compté les foulées, là, ça. Derrière la jambe à gauche. Voilà, retravaille-le encore. Mets-le un tout petit coup de talon à l'intérieur. Et quand t'es prête, tu viens. Ah, c'est normal. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. La distance était un petit peu grande, hein? NFA, la distance était un petit peu grande. Fais une diagonale et on refait. Après, ça saute, hein. Allez, change le pied, voilà. Reconstruis-le, prends ton temps. T'as une distance un petit peu entre deux, c'est pas méchant. Voilà, prends ton temps. Oh, parfait. Retravaille-le maintenant. Travaille ton vertical. Garde-le entre les jambes. Voilà, regarde où tu vas. T'occupes pas de lui. Ok. Ok, caresse. T'as une belle distance. Ah ça? You're there.
arrêtez de rigoler. J'ai encore du sable partout. Bon les gars, la séance vient de se terminer. Autant vous dire que c'est des sportifs. Je peux vous dire que là, ça faisait longtemps que j'avais pas dû faire de gâteau. Ça faisait combien de temps? Ça faisait 1-2 ans que je n'étais pas tombée? Non, ça fait 1 an que je suis pas tombée. Écoute, c'est une fois par an, bah, c'était la fois de 2021. Au moins c'est fait, mais sinon la séance était hyper cool. Le cours était trop bien. Et ça décolle, hein, ça dérouille. Hein. Ça dérouille de faire ça une fois de temps en temps. Je suis montée sur le cheval de Jean-Francis à l'obstacle. Je me suis pété la gueule. Oui, ça va très bien. Je suis pleine de sable. Mais je suis remontée après, hein, ça va, hein, tranquille. Hein. Je suis pas non plus une... Je suis pas une mauviette, mais... Je sais pourquoi je fais du dressage. Juste... Oh, la honte. La honte. Ah, c'est beau ici? Ou la chute? Ah. Qu'est-ce qu'il fout? M'a-t-il cassé en deux? Je te jure, j'ai mal partout. Il m'a explosé l'épaule. Mais je sais pas, en fait, genre, j'étais à cheval, puis d'un coup, genre, ça allait, ça... puis j'ai senti qu'il levait le cul. Et genre, j'ai senti qu'il levait le cul une fois, deux fois. Je sais pas combien de temps je suis tombée, mais genre, j'ai senti que... Et puis, voilà. Je me suis dit, ah, c'est trop tard. Non, mais je me suis dit, vaut mieux laisser tomber et se laisser porter par terre, tu vois. Mais il est gentil quand même. Voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée, on espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets les réseaux sociaux de Jean-Francis dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller suivre sur son Instagram et voir son évolution avec tous ses chevaux. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et TikTok comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à liker, commenter et partager. A très bientôt, bye.